sont elles dévoilées à la présidente de la ministre de la ville des Sports, Pascal Maillot, le préfet de région, la présidente de la région, la doctrine aussi au milieu, et Carole Delga, le président du conseil départemental de l'Ordre-Garonne, Georges Bénic, et puis donc le maire de Toulouse, Jean-Luc Boudec, et Laurence Arrivager, l'adjointe au sport, bien évidemment, et tous les conseillers municipaux qui sont avec nous, je vois Samir, qui est là, Frédéric, etc., tous ceux de la mairie qui sont là, Jean-Jacques également, on ne va pas tous citer tout le monde, mais tous les conseillers municipaux sont avec nous. On va maintenant, mesdames, messieurs, eh bien, regardez, parce que le stadium de Toulouse, il a une histoire depuis donc 1937 et sa construction. Il a une histoire ici sur les lieux de Ramiers. Je vous rappelle que c'était Étienne Millière qui avait décidé de construire ce stadium inauguré en première configuration en 1937 et un stadium qui a accueilli un certain nombre d'événements. Je vous propose de les découvrir maintenant sur une deuxième vidéo que l'on va envoyer maintenant sur les écrans.